J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto. Alors attendez, je prépare juste mes petits pattes d'encre, enfin mes petits doigts de mousse. Hop, celui-là et c'est tout. Donc alors on se retrouve pour un petit tuto. Alors des fois dans les blocs on a des jolis papiers comme ça qu'on n'a pas envie de couper dessus. Donc moi je suis venue les découper autour. Donc ça fait ça. Ça, c'était un bloc que j'avais acheté chez Nose. C'était des blocs de feuilles. Donc, voilà. Et je me suis dit, on va en faire des cartes. Juste des cartes toutes simples. Des cartes déjà prêtes à l'avance, prêtes à envoyer. Donc, j'ai pris des boutudes comme ça et deux feuilles de 15-15 avec ce bloc-là. Donc, je vais voir. Alors, déjà, j'avais prévu le coup de mettre celle-là sur celle-là. Ça, c'est des papiers que je me servirai pas, donc autant que je m'en sers pour les cartes. Et donc, sur celui-là, ça va. Donc, hop, ça, c'est bon. Ensuite, le vert, j'avais pris sur un bout de chute, vert comme ça. Ou peut-être, là, ça va pas du tout. Là, non plus. Et là, c'est pratiquement que du violet, donc je pense pas que ça va aller. Non, donc je vais rester sur le vert. Hop, le vert et les quatre petits là. Donc lui, est-ce que sur ça, oui, ça pourrait le faire. Sur ça, non, c'est trop chargé cette feuille. Hein. Je sais pas. Alors sur celui-là, non, 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 pas du tout, pas du tout. Avec les petits cœurs, non. Peut-être comme ça. Et que je laisserai une petite marge de cœur derrière. Mais je sais pas. Là, ça pourrait le faire. Là, non. Là, non. Là, non plus. Pas avec le jaune. Sur celle-là, non, et sur celui-là, là, ça pourrait le faire aussi. Et attendez, sur celle-là, ouais, là, ça pourrait le faire. Donc, hop, sur celui-là, on part sur celui-là. Celui-là, on va sur celui-là. Et donc, il m'en faut encore deux. Alors, ça, c'est tout simple, que je pense pas. Là, ça pourrait le faire. Et celui-là, ça pourrait le faire aussi. Ouais, non, je vais rester sur celui que j'ai dit, celui-là. Alors, non, c'était pas celui-là. Attendez. Si, si, c'était celui-là. Et par contre, j'aurais pas de ligne tout autour, donc faudrait que je coupe comme ça. Ouais, non, du coup, bah ça, ça va pas. Donc déjà celui-là, bah pareil, on va voir. Ça ferait un petit peu trop grand et j'aurais pas de ligne en dessous, faudrait juste que je coupe un petit peu. Non, du coup, bah ça ne va pas non plus. Alors, il faut des tout simples en fait, comme là à peu près. Ouais, celui-là, c'est parfait. Et celui-là, donc là avec les petites fleurs, j'avais dit que j'en aurais pas tout le temps. Donc je pourrais juste en avoir, ou sinon je coupe un petit peu, ouais. Donc voilà, je vais faire ça. Alors, je vais prendre celle-ci. Hop. Et ça, je vais le mettre là. Sinon, je regarde si j'ai pas d'autres papiers dans celui-ci. Ça aurait pu aller très bien aussi. Mais non, j'ai pas vraiment de violet là-dedans. Donc, c'est pas grave. Allez, du coup, on part sur ça. Donc, ça, c'était ça. Ça, je peux le ranger. Hop, on va prendre tout ça. Et on va prendre notre massicot.
Alors, du coup, on va commencer par cette carte-là. Elle fait, donc déjà, on va déjà la couper aux dimensions normales. On va pas mettre des millimètres, tout ça. Donc là, ça sera sur 10. Et sur 12. Donc, celle-ci, elle ira là. Donc, là, en fait, je vais faire 10,5 sur 12,5. Allez, c'est parti. 10,5 sur 12,5. Hop. Donc ça, ça va venir comme ça. En voilà une. Ensuite, celle-là. Donc elle, elle fait combien? Elle, elle fait 11 sur 12,5. Donc déjà, on va la couper à 12. Hop. Donc là, on va faire 11,5 sur 12,5. Hop, comme ça. Ensuite, celle-ci. Donc celle-ci, elle fait... Ouais, donc déjà, elle n'est pas... Elle fait pas vraiment 8, donc on va la couper à 8 cm. Un tout petit chouïa, hop, qui va gêner. Sur, ouais, pas tout à fait 10 non plus. Donc, on va couper à 10. Hop. Donc là, on a dit 10,5 déjà. Sur, donc là, c'est 10,5 sur... 8,5, comme ça. Hop, et ça, ça va venir comme ça. Ensuite, celle-ci. Alors, celle-ci, elle fait pareil, pas tout à fait 11. Donc, on va la couper à 11 de ce côté-là. Hop. Et là, elle fait 13, parfait. Donc, là, on va le couper. J'aurai pas 13,5. Par contre, j'aurai que 13. Donc là, j'ai pas le choix de le couper à 12,5. Donc, je vais plutôt couper, oui, en bas. Hop. Voilà. Donc là, 13 sur... je sais plus. Sur 13. Hop. Donc 13 sur 13. Non, c'est pas du tout ça. Donc là, c'est 11. Bah oui, j'ai même pas fait là. Donc sur 11,5, pardon. Hop, sa poubelle. Donc, comme ça. Voilà. Ensuite, celle-ci. Donc là, pareil, elle est pas aux bonnes. On va faire 9,5. Hop. Sur. Il faut que je décale. Alors, sur 14,5. Donc, on va laisser comme ça. Je vais voir si j'ai assez. Alors, déjà la ligne blanche, je vais l'enlever. Hop. Donc, sur 14,5. Et j'aurai. Et j'aurai, c'est parfait. J'avais dit, ah bah oui, c'est 14,5, donc oui, bon, on va le faire comme ça. Donc là, j'avais pris 15, ouais, pas tout à fait 15 par contre. Hop, et sur, donc sur 10, voilà. Mettre à poubelle ça. Donc ça comme ça, et ensuite la dernière, du coup ça fait, ouais, on va le mettre à 10,5.
ça, ça nous fait moins de chutes possible dessus sur 8. Donc là, on va prendre 8,5. Ouais, du coup, j'avais dit que je voulais les petites fleurs. Donc, c'est pas grave, je vais couper ici. Hop, je vais couper. Non, je dis des bêtises. Je vais couper ici. Ouais. Ici. Donc, je vais voir si. Alors, que je change ma lame. Si ça fait pas beau, je vais enlever. Ouais, non, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. C'est pas grave, je vais faire un petit peu la moitié des fleurs et un petit peu là. Donc, je vais couper ici. Hop. Voilà. Donc, là, c'est fini, il n'y en a plus. Alors, je vais poser ça là. Et maintenant, on va passer au collage. Prendre ça, ça on va ranger, sa poubelle. Ça on va ranger dans la boîte et ça. Alors, ensuite, du coup, ça, je vais l'ancrer en orange. Hop. Et je vais la coller. Enlever la colle qu'il y a dessus. Alors. Donc des fois, la plupart des temps, j'essaye de préparer mes cartes comme ça. Après, je rajoute 2-3 petits trucs. Bon, voilà, je vais faire directement comme ça. Ça ira plus vite. Hop. Et là, je rajoute un petit peu d'encre autour. Hop, ça, je n'ai plus besoin. Sur celui-ci. Donc là, c'est du vert. Donc, j'aurais pu le faire en bleu. Ou en violet, pardon. C'est pas grave. Je vais laisser en vert. Hop. Ça, je vais le mettre là. Voilà. Ensuite, alors, ça je vais le ranger après. Les derniers, c'est les violets. Alors, donc, ah, bah, il s'est enlevé celui-là. Et puis, ils sont en train de se disputer, comme d'hab. Hein. Après, si vous trouvez que c'est trop fin, là, vous pouvez rajouter un papier. Hein. Par exemple, sur celui-là, là, je vais rajouter un papier blanc pour écrire, parce que je ne vais pas écrire directement comme ça. Je ne vais pas écrire en noir ou en bleu. Je pense que je vais écrire en couleurs qui sont avec ça. Donc, voilà. On rajoute un petit papier blanc plus épais derrière. Enfin, je dis blanc, c'est vous qui décidez. Hein. Ah bah oui, le truc qui est tombé, j'étais en train d'ancrer pour rien. Je me disais, pourquoi ça... Je sais pas comment je peux le coller, je sais pas, faut que je voie. Ça, ça s'enlève, c'est parce que je fais directement comme ça. Mais c'est des encres, ça fait longtemps que je les ai ceux-là, donc. Hop. Ensuite, celle-ci, je vais peut-être changer parce que là, ça va me gonfler. Non, ça c'est pas les violets, ça c'est les bleus. C'est ici. Hop, je vais prendre celle-ci.
on va refaire la même bêtise, on va continuer comme ça. Hop. Pas beaucoup dessus. Voilà. Et bon, là je vais faire directement là parce que sinon ça vient pas vite. Hop. Voilà. Alors. Après en noir, je sais pas si ça peut faire beau aussi. On crée les côtés en noir, je sais pas. Je sais pas du tout. Peut-être. Je vais essayer une. Sinon le reste je ferai. Hop. Et un peu d'encre noire. J'en ai un là. On va essayer de le faire en noir celui-là. Si, ça va. Si, ça va, j'aime bien quand même. Donc, je vais d'abord le coller. Hop. Il n'est pas droit. Et du coup, là, je pense que je vais faire en noir aussi. Et un tout petit peu là. Ça fait style abîmé en fait. J'aime bien. Donc celle-là, je vais le... Est-ce que je la refais en noir ou pas? Écoutez, je vais la refaire en violet. Ouais. Je vais rester sur violet. Celui-là, c'est le... Ouais, celui-là, c'est encore le bon. Oh. Hop. Donc, je vais le laisser sur son violet, lui. Hop. Et on va le coller tout de suite. Voilà, donc là, bah, on recommence. Hein. Donc là, j'hésite pas à en faire un petit peu sur... que ça déborde. Hop. Et puis ici. Bien sur mes bords quand même là. Hop, alors ça va là. Et ça va là. Du coup, voilà des petits exemples de cartes. Moi j'en avais déjà fait deux avant pour faire un essai. Donc ça a coupé. Ça c'était les feuilles, vous savez, des blocs, un petit bloc de une quinzaine de feuilles, je crois, que j'avais eu chez Nose. Donc voilà, ça c'est les deux que j'avais fait avant. J'ai déjà envoyé des cartes comme ça. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et on se retrouve certainement tout à l'heure.